J'aurais envie de répondre non, a priori. Il y a bien eu l'instauration de la fiscalité carbone en 2014, mais cette fiscalité a été établie à un taux très faible à ce moment-là. Et les prix internationaux du pétrole étaient tellement bas que cela n'a pas augmenté sensiblement de 2014 à 2018, les prix du carburant. Et lorsqu'on regarde les émissions de dioxyde de carbone, en particulier celles qui sont liées au transport automobile, il n'y a pas d'inflexion marquée. La première condition, c'est la pédagogie, la transparence, hein, c'est-à-dire d'expliquer très clairement à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. La fiscalité écologique a pour but de modifier les comportements des pollueurs et n'a pas pour but d'obtenir des recettes fiscales particulières ni de financer la transition écologique. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que les ménages qui sont les plus affectés et qui sont les moins aptes à pouvoir modifier leur comportement soient aidés par une redistribution d'une partie des recettes ainsi obtenues. On peut penser à différentes combinaisons d'instruments, des normes éventuelles sur les constructeurs automobiles, si on s'assure que la conformité à ces normes est effectivement respectée. Ces normes-là peuvent être assez puissantes. Des subventions à la recherche et développement, là aussi, en s'assurant que celles-ci permettent de déclencher de nouveaux projets de recherche sur des types de motorisation alternative. Et puis, il ne faut pas oublier la rénovation thermique des bâtiments. Et là aussi, des mesures peut-être inventives en termes de crédit aux bailleurs sociaux ou de crédit aux individus, aux ménages individuels, afin qu'ils rénovent leurs appartements. Il y a là de grandes marges de manœuvre pour la réduction des émissions de dioxyde de carbone.